des Servaces. J'ai fait l'ENSAD, je suis sorti en 2011. Je suis designer produit. Et après l'école, en fait, j'ai bossé pendant 2 ans au Vietnam avec des artisans locaux, avec des techniques traditionnelles, pour créer des nouveaux objets à partir de ces techniques qui datent de siècles. Et voilà, je suis revenu en France il y a 1 an et demi. Et depuis, je fais moi-même un peu de menuiserie. Là, j'ai un atelier depuis pas longtemps. Et voilà, et je cherche un petit peu à renouveler ma pratique du design. Étant donné que moi, dans ma pratique de création, j'utilise souvent, enfin, pratiquement tout le temps Rhino et l'ordinateur, la 3D, à un moment, en fait, la question d'utiliser les technologies numériques de création, d'usinage, de prototypage lié à des matériaux ou des techniques plus traditionnelles commençait à se poser. Et quand je suis revenu en France, bah, ça a commencé vraiment à me travailler de plus en plus en rencontrant des gens qui travaillaient avec ça. Enfin, c'est un peu au centre de la création et des questionnements qu'on peut se poser dans la création d'objets aujourd'hui, quoi. Il y a un autre truc qui m'a beaucoup intéressé. Donc, comme je disais, je travaille beaucoup sur Rhino et là on a abordé SolidWorks et le paramétrique. Et j'avais beaucoup de problèmes avec Rhino par rapport à en fait, qui est un outil excellent mais qui a des limites que apparemment SolidWorks permet de franchir. Donc ça m'a beaucoup intéressé. La facilité de passer d'un fichier numérique à la découpe laser, par exemple, m'a assez époustouflé. Le scan 3D aussi. Voilà, en gros, la rapidité de ces outils. Ouais, bien sûr. Moi, ça me manquait aussi. J'étais un petit peu dans mon petit atelier confiné, bon, à rencontrer un petit peu des gens. Mais là, ça fait du bien. C'est assez éclectique, l'équipe. Ça fonctionne bien au niveau humain, quoi. C'est assez drôle de voir des gens qui viennent d'un peu tous les, comment dire, il y a des architectes, des plasticiens, des designers, jeunes, vieux, des parcours assez éclectiques et foisonnants. Du coup, le contact est bien, et là, on va passer à la phase de travail. Donc, bon, déjà, au sein de l'apprentissage, c'était drôle parce qu'il y avait des questions qui émanaient des différentes personnes des questionnements et des questions selon leur parcours auxquels on n'aurait pas forcément pensé, auxquels moi, j'aurais pas pensé individuellement. Voilà. Donc, ça permettait bien d'ouvrir les champs. Et là, on va voir, ça va être assez excitant, cette phase-là, là, les prochains jours, de voir ce que ça va donner au niveau des expérimentations et de comment entrevoir l'outil et le rapport à l'outil, à la matière. Voilà. Et en fait, le fait de travailler par groupe aussi, je pense que ça va être chouette aussi.